Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir. Vous nous excuserez des espaces qu'on vous fait connaître. Hein. Vous n'étiez pas habitués, vous n'étiez plus habitués à ça. C'est arrivé, c'est la fin de l'année, secoué par-ci et par-là, et d'autres activités qui viennent, qui nous prennent un peu du temps, toute l'équipe bien sûr. Hein. Maintenant là, je voudrais commencer par le dossier, le feuilleton Muyej Mangenzmas, gouverneur, et Mama Fifi Masuka, vice-gouverneur. Les torchons brûlent au niveau du doigt là-bas. Mais moi, je vais aborder autrement. Aujourd'hui, il y a un problème. On a convoqué d'urgence ici, et il est ici, le gouverneur de province de Lualaba, Muyej Mangenzmas. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé, tous les calculs qu'on a dû monter pour que les deux soient gouverneur et vice-gouverneur, quand nous faisons un pas en arrière, lorsqu'on avait brûlé les quelques affiches de Félix Tshisekedi comme président de la République et de Kabila citoyen simple pour le moment, j'avais suivi les déclarations de Muyej Mangens. J'avais suivi les déclarations des autres qui ne peuvent perdre. On avait fait référence très vite aux voisins. Maintenant qu'il y a ce problème-là, maintenant qu'on est en train de se tirer sur ce dossier-là, à Lualaba, parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'argent du Katanga, toute la vantardise, c'est là-bas dedans. Et même, on ira plus loin pour vous faire savoir que le Lualaba n'est pas le seul coin de ceux-là qui se disent « nous sommes d'ici et il n'y a pas d'autre ». Non, dans la province de Lualaba, toute la partie de Kanzenze, ce sont les Balubakat. Donc la province de Lualaba n'est pas seule au Rund, au Tchokwe, Ndembo, tout ça. Non, les Balubakat sont de là. Et si vous arrivez au fond là-dedans, même à Kolwezi, vous allez trouver leur origine là-bas. L'Empire Louba, je vous ai dit, avait pris tous les Katanga, les deux Kassai, et les autres sont venus après. Vous allez comprendre que la guerre qu'il y a là est liée à autre chose. Et bien sûr, on parle de l'argent. Maintenant, je pose la question. Quand ça se passe maintenant, quand on dit qu'il y a plusieurs comptes que Maman Masuka ne voit pas, mais il suffit d'un rien, on vous secoue, on vous dit, attaquez les voisins, ils sont venus ici par camion, c'est eux qui vous empêchent de vivre. Vous voyez ce qui vous empêche de vivre. Je vous ai toujours dit, le problème est chez vous seul. Vous allez me dire, oh, il veut attiser le feu. Non, il faut analyser. Sobo, tali bien, ezala Muyej Mangenzmas gouverneur, ezala vice-gouverneur Vivi Masuka, bazaba katange bangou nyo somi bale. Parce que kounande balingi langage ou anatro. Ah, les alliés cambouambongo, baso le bambongo, zo bunga, oye monsieur alubino, bananaye, bako mina ba société, ba osakana nambongo, oye alubite, baso kosa, oye bonaboye. Voisin akasa yazana dossier ote. Je vous rappelle ça, je vous ai toujours dit, moi je suis de Holo Mami, j'ai droit au chapitre, je vous ai toujours dit que laissez vos frères tranquilles travailler à l'unisson, le Congo est pour tout le monde. Mais pourquoi les Katangais oublient vite? J'ai fait un pas en arrière pour que Nayebi Sabino, il faut éviter d'avoir cette mémoire-là, d'oublier et de commencer toujours, les mêmes politiciens vont vous envoyer faire la même bêtise. En 1960, les Belges ont opposé Bino na bandeko na Bino à Kasai. Vous savez ce qu'il y avait eu avec Munongo Kifaku et tout le reste de Gerson Sendou et tout le reste. Parce qu'à un moment donné, Ntsendwe a eu à aider maintenant les Kassaïens. Il s'est rendu compte que nous sommes tous les Louba. Il va aider Kalonji Mulopwe. Il a compris que les Belges jouaient la carte pour empêcher
à tous ces gens qui habitaient au Katanga de jouir de cette richesse. Alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait montrer au Katanga que vous, on vous domine, on ne veut pas ceci. Voilà, il n'y a que les autres qui sont là au poste de commandement. Mais quand vous, le Katanga n'a pas regardé en face, qui a placé ces gens-là pour être au poste de commandement? Les Belges. Et pourquoi le même type qui les a placés au poste de commandement va-t-il venir vous dire, vous, qu'on vous a dominé, et vous dites oui, vous commencez la guerre? Maintenant, chers frères, je voudrais vous rappeler. Après, est-ce que les Belges vous ont laissé tranquille au Katanga? Non. Comme ils avaient besoin de votre richesse, il fallait que le Katanga soit toujours en problème chaque jour, en déséquilibre. Pourquoi il y a toujours le déséquilibre? C'est parce que vous-même, Katanga, vous aimez jouer ce rôle-là. Parce qu'en 1960, après qu'on vous ait opposé à vos frères du Kassai, par la suite, ils vont travailler Mobutu pour vous, le monter contre vous. Ainsi, Kimba Evariste sera pendu, le fils d'une du Katanga, sera pendu ici, à côté de ça des martyrs. Vous voyez ce que les gens qui vous mettent à ce que vous attaquez vos frères, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Il sera pendu, Sendwe, lapidé, il va mourir. Tshombe, il va être exilé. Alors, tous les grands leaders katangais vont disparaître. Qui vous font disparaître? Les mêmes gens qui vous ont dit que les Kassaïens vous dominent. Mais ils ne vous ont pas dit. Parce que cette période-là, les gens qui étaient nombreux là, il y avait les Rwandais qui étaient nombreux là, à la Zekamine, les Kassaïens aussi. Mais on vous a dit seulement qu'il n'y a que le Kassaïen. On vous a montré que le Kassaïen. Et vous avez accepté sans comprendre. Au lieu de vous montrer le Rwandais qui n'est pas du pays, on vous a montré votre propre frère du pays. Pourquoi je vous rappelle ça? Vous allez comprendre là où nous allons. Alors après vous avoir mis dans les échafaudés, les problèmes, les massacres, vous êtes affaibli. Vous avez affaibli l'homme avec qui vous pouvez être ensemble et être très fort. C'est celui-là que le Belge vous a montré à évacuer. Et quand vous êtes resté seul, le Belge a compris que le Katanga avec les leaders ici, ils vont tenir. On a éliminé tous les leaders. En 1990, un des pions, Mobutu, qui avait pendu Kimba Evariste. Kimba Evariste n'était pas pendu seul. Ils étaient Kimba, Evariste Kimba, qui a été pendu. Il est né en 1926. Il est pendu en 1966. Donc, très jeune. Hein? Et Jérôme Anani sera pendu. Emmanuel Bamba sera pendu. Alexandre Mahamba, pendu. C'est le même Mobutu qui élimine Tshombe, qui élimine Kimba Evariste, qui élimine le Kalume Moana Kayambwe, qui élimine tous ces gens-là, toute la force. On va éliminer même Munogo Kifakio pendant la CNS. Il va venir vous dire encore, vous au Katanga, que regardez les Kassaïens, qu'est-ce que vous faites? Ces gens ici, vous ne vivez pas bien parce qu'ils sont là. Vous avez oublié que Mobutu, qu'est-ce qu'il avait fait contre les leaders katangais? Vous avez tous oublié, tous. Vous avez joué le rôle. J'ai toujours remercié Papa Kyungwa Oumanza. Quand il a fait l'émission avec Sans Rival pour dire, c'est la seule chose que j'ai toujours regretté, je n'aurais pas pu. Mais maintenant là, je ne ferai plus jamais. Et vraiment, c'est un homme d'état, un homme de parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui vous dit, ne faites pas ces bêtises. Je vais mettre sa vidéo, vous allez comprendre. Vous avez oublié les gens qui vous ont envoyé en 1960 faire des choses, qui sont venus encore vous éliminer. En 90, ils viennent, vous acceptez quand même. Est-ce que c'était fini? Pas fini. De 2001 à 2018, Dieu qui vous a vu réclamer à corps et à cri, pour que vous mettiez quand même vos voisins en paix,
ils vous donnent le pouvoir. Ils vous donnent la présidence, le ministère de l'Intérieur, les affaires, tout, banque, tout, alors tout. Qu'est-ce qui va se passer? On a commencé par liquider la Gécamine. Quand Moussa Laurent est arrivé, il n'a pas liquidé la Gécamine. Il a créé la société Stel, qu'on venait de vendre par Herbert Yuma. Et il a payé bien les policiers et les militaires. Il a commencé à changer la vie des Congolais. Il n'a pas touché au carré minier. Mais il est parti. Votre propre pouvoir là a liquidé la Gécamine, a liquidé la SNCC. N'oubliez pas ça, chers frères, parce que quand je vous entends attaquer vos frères là, c'est ce qui me fait mal. Ici, c'est vous-même. Vous liquidez ces sociétés. Vous mettez les gens en chômage. Vous commencez à vous plaindre et vous regardez les voisins. Non, ce n'est pas juste. Oh, les Kassaïens qui sont là, vous là, vous allez perdre. Votre chanson, c'est ça. Mais vos frères propres au pouvoir, 20 ans de pouvoir. Papa Kyunga Kumwanza l'a dit, je vais mettre sa vidéo. Vous aurez pu dans 20 ans, avec le pouvoir que Dieu vous a donné, faire du Katanga à New York. Mais jusqu'à ce jour, il y a des gens qui viennent vous dire, j'ai suivi quand Kabila est arrivé à Kolwezi, la chanson que vous chantiez, Moulou Kassayen Ayena Corona. Mawa. Vous chantiez pour faire plaisir à qui? Voilà ce qu'a été son mandat. Liquider la Gécamine, liquider la SNCC, et quand même, vous dites, fils du pays, fils de Torah, vous chantez et vous attaquez les innocents. On a vendu l'uranium sans vous. On a vendu le bois rouge sans vous. Par qui? Par vous-même, vos leaders. Pas tous les leaders, je suis précis. Cet argent a servi où? Le Katanga est resté le même. Après, ce sont ces gens. Quand ils parlent, ils vous disent, n'oubliez pas 90, ce qu'on avait fait, n'oubliez pas 60. Toujours, ils vous envoient au chapitre Kassayen. Pour que vous ne puissiez pas demander où est l'argent de l'uranium, où est l'argent de tous les minéraux. Regardez Kolwezi. Ce que Mouyege vient de faire, quand même. Mais ça ne vaut rien par rapport à l'argent que vous regorgez. Et ce n'est pas le Kassayen, s'il vous plaît, qui prend votre argent. Ce qui me fait mal, c'est que moi, je suis de Olomami. Chez nous, il n'y a pas grand-chose. Ça, je le sais. Mais néanmoins, Kolwezi nous appartient aussi. Mais ce que j'ai dit est vrai. Chaque fois, on vous empêche de réfléchir et de demander l'argent ici de tous ces minéraux. C'est parti où? On commence. Et jamais les remorques descendent au Kassayen avec des minéraux. Tout ça là, pourquoi vous faites semblant d'oublier? Pourquoi vous ne pouvez pas être aujourd'hui debout comme des gens civilisés, comme des gens d'une province riche? Comment vous ne pouvez pas? Qu'est-ce qui va se passer? Mouyambo Kiansa, le fils du terroir. Le fils du Katanga. Il fait un parc moderne. Cher frère Katanga, est-ce que vous pouvez me montrer encore ce parc-là? Vous ne l'avez pas saccagé avec votre propre pouvoir. 20 ans, vous avez saccagé ça. Ce n'est pas le Kassayen qui a saccagé. C'est vous-même. Quand vous arrivez à la rotonde, au rond-point de la Révolution, vous regardez les immeubles de la Gécamine, vous trouvez comment?
quand vous arrivez même à l'hôtel de ville de Lubumbashi, vous entrez derrière là, vous trouvez quoi? Quand vous regardez l'argent que vous avez, toute cette richesse, et ce que vous vous voyez, vous vous dites quoi? C'est le Kassaïen qui vous empêche. Pour avoir fait une petite déclaration, en tant que fils du pays, en tant que véritable Katangais, Vano Kiboko a fait la prison, je suis allé le consoler, moi. Mouyambo Kiasa a fait la prison avec votre propre pouvoir. Il a voulu perdre son pied. Allez regarder son pied, comment il est déformé. Ce n'est pas le Kassaïen qui l'avait arrêté. Moïse a quitté la province du Katanga sur une civière avec votre propre pouvoir. Le bâtonnier Kisimba a été empêché en tant que fils du pays, en tant qu'originaire. Il a été empêché. Il est mort avec de mauvais souvenirs dans la tête. Quand même, ce sont ces mêmes gens qui vous disent: attention les Katangais, les Kassaïens ici, attention les Kassaïens ici. On a envoyé Ngouza Karlibond. Il a fait ce qu'il a fait. Toujours monté contre son propre frère. Heureusement, le vieux Ngouza avait demandé pardon avant de mourir. Mais qui l'a liquidé? Pourquoi vous oubliez tout ça? Pourquoi la même chanson, vous la chante et vous répétez le refrain? Quand on vous envoie vers toujours les Kassaïens là, vous ne pouvez pas dire non. Parce que ça n'a jamais été une raison. Parce que vous savez très bien que la richesse à vous, ce sont vos propres leaders. Pas tous les leaders, j'insiste, mais qui vous prennent cet argent. C'est votre propre pouvoir qui vous a sacrifié. 20 ans de pouvoir. Papa Kungo Kumanza a fait une adresse à la jeunesse de son parti politique pour leur faire voir que quand on va couper le Katanga en quatre, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a coupé. C'est celui-là pour qui vous voulez chanter. Et ça a fragilisé le Katanga. On a arrêté le professeur Witu Mulongo jusqu'à perdre sa femme. Et tout ça, vous oubliez quand on vous amène à côté. Kassaïen, Kassaïen, vous oubliez. Vous voulez être quel peuple, s'il vous plaît? Si on retourne l'aiguille, vous n'allez pas les chasser, c'est leur province. Mais est-ce qu'il faut parler province maintenant? Je ne pense pas. Parlons république. Pourquoi là-bas, vous pensez que nous allons couper Katanga indépendance? J'ai vu même... dans les Facebook là-bas, Zamawa, quand je vois un certain monsieur que je connais très bien, pour l'avoir encadré, il est là-dedans. Pourquoi dans 20 ans, avec votre propre fils à la tête de ce pays, on n'a pas coupé les Katanga? C'est ça qu'une dame a posé comme question. Pourquoi il n'a pas coupé les Katanga, mais il a saucissonné le Katanga? Au lieu de faire de Katanga un pays comme vous le demandez, mais lui a coupé en quatre. Cela veut dire qu'il vous a empêché d'avoir votre Katanga que vous cherchez comme pays. Mais c'est celui-là que vous accueillez aujourd'hui. Vous attaquez d'autres frères. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut demander à Dieu. Et c'est très important. Je voudrais parler de Papa Kiunga Kumanza, qui a aidé quand même ses frères ici. Mais on a mis dans la résidence surveillée. Regardez un peu l'âge de Papa Kiunga Kumanza. Essayez de vérifier sa santé. Est-ce qu'il fallait le mettre dans une résidence surveillée? On l'a fait quand même. Toutes les maisons de la Zekamine sont vendues. Mais par qui? Est-ce que vous en faites un problème? Moi, ce qui me fait mal, c'est là où on vous envoie. Pourquoi vous y allez? Mon problème, c'est cela. Comment vous y allez?
Si je demande votre propre frère, quand il est nommé Sami Badibanga, quand il est nommé Bruno Tshibala, parce que vous n'aimez pas ces gens-là parce qu'ils sont des Kassai, qu'est-ce que vous avez fait contre lui qui les a nommés? On n'a pas vu, on ne vous a pas vu vous mettre debout. Pourquoi tu les as mis? Non. Rien du tout. Vous avez toujours eu peur de lui. Il ne vous a pas donné ce que vous avez cherché. Mais quand même, il vient, il vous amène dans la course, vous y allez. Extraordinaire comme peuple. Et ici, je félicite le peuple du Kassai. Quand vous n'êtes pas en ordre avec... Et il vous refuse. C'est ce qui est le contraire au Katanga chez moi. C'est ce qui est contraire chez moi. Et ici, je voudrais par-dessus tout vous préciser une chose. Quand vous dites aujourd'hui, oh, Kabila est venu ici, vous les Kassai, attention, c'est ça le discours. Pourquoi il n'a pas cherché un dauphin du Katanga pour être candidat président de la République? Il avait placé Sadari. Qui avait réclamé? Personne. Bon, parce qu'on a mis comme dauphin un fils du Maniema. C'est un Congolais, c'est pas mal. Mais je rentre sur les chapitres où vous voulez toujours naviguer. Kassaeno, Kassaeno, Kassaeno. Quand on a placé Shadari, vous avez eu le courage de dire à Kabila, fatigué, sans impact, moins connu, et il envoie Félix, prenez celui-ci. Mais regardez quand même le plus grand nombre de gens intellectuels du Katanga qui font la politique active. On n'a pas choisi un seul. Est-ce que la façon dont vous accueillez maintenant aujourd'hui Kabila, qui n'a plus le pouvoir, est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes sincère? Regardons-nous en face. Je le dis avec force de taille. Je suis de Olomami. Est-ce que vous êtes sincère? Si vous êtes sincère, est-ce que, franchement, vous êtes sérieux? Ce Katanga là, est-ce que ça mérite ça? Si ça ne mérite ça, qui vous a mis dans cet état? Est-ce que ce sont les gens que vous attaquez? Aujourd'hui, vous avez le feuilleton Mouyege et Fifi Masoko. Quelle est votre position? Parce que c'est clair, c'est sur la table de l'autorité, question d'argent. Vous voyez là où va l'argent? Et pourquoi vous tournez votre regard vers le Kassai? Je demande à ce qu'on place le VTR de Papa Kyungwa Kumanza, qui parle mieux que moi. Ce que je viens de dire ici, c'est lui qui m'a éveillé. Je ne fais que mettre des commentaires. Véter. Mais au fait, qui a liquidé le Katanga? Qui a dépêché le Katanga? Il y a les Katourou là. Qui a divisé les Katangais? Et dans tout ça, on a quatre Katangais. Qu'est-ce que Félix a à voir là-dedans? Qu'est-ce que le chef de l'État Fachi, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Qui, au lieu d'un seul Katanga, moi qui vous parle, je suis un des grands leaders qui a combattu pour ce Katanga. Ils sont venus, ils ont dit non, Oubagouzi. Maintenant, on prêche Oubagouzi. De qui ce monde?
on a tout fait. On a dit, il faut que les Carthaginois soient autonomes. C'était plus nos aïeux, nos vieux, ont dit tout simplement que Carthage n'était pas là. Dieu nous a donné 20 ans. 20 ans. C'est Dieu qui nous a donné, nous qui, Katangé. Et vous voulez faire de votre province état indépendant ou autonome, voilà le pouvoir. Le pouvoir, je vous le donne. Oh non, ça y est, vous donnez une. 20 ans. Qu'en avez-vous fait de ces 20 ans? Katangé, au pouvoir. À votre place, on se cacherait tout simplement. C'est une honte. Maintenant, vous commencez à chercher, vous voulez faire de Félix votre bouc émissaire. C'est Félix qui vous a empêché de réaliser l'idéal de Katangé, de faire de la province une province autonome. C'est Félix qui vous a empêché. Vous étiez seul maître à bord. Seul. Vous pouviez faire amener les Katangé même en Zambie ou en Tanzanie ou partout. Vous alliez dire nous quittons le Congo. Mais vous avez tous les pouvoirs. Mais arrêtez. Dieu nous a exaucé. Il a dit à ses enfants, ils ont beaucoup de richesses, mais n'en profitent pas. Ils veulent s'auto-gérer. Et la seule façon, c'est de leur donner tous les pays. Comme ça, ils vont façonner ça à leur ressemblance et à leur image. Ils nous donnent et disent, nous donnons, c'est très peu. Ajoutez encore un peu. Nous-mêmes, nous avons ajouté 10 ans. Tout en respectant la constitution. À l'actuel chef de l'État qui n'y est pour rien. Aujourd'hui, les Katangais sont divisés. C'est Félix. Je vous pose la question. C'est Félix. Non. Alors, pourquoi on va retourner au Katanga? Tout cas, Katanga. Vous êtes des malades. Vous aviez le pouvoir. Ça ne vous était discuté par personne. Vous étiez des vrais yémeïs. C'est ça maintenant quand vous appelez. Baba, ça c'est le ciel, tout qu'on va appeler. Mais posez la question à ceux qui étaient là 20 ans. Ils vous ont laissé où? Ne me posez pas à moi cette question. Maintenant, vous voulez vous battre, vous voulez vous faire tuer pour que demain ils reprennent le pouvoir et alors cette fois-là, vous allez tous dans le lac Tanganyika. Tous! Vous avez suivi. Il a parlé lui-même. Vous comprenez que tout ce que j'ai dit, je n'ai fait que répéter ce qu'il vient de dire. Maintenant là, la Gécamine est morte aujourd'hui entre les mains d'un Katangé de père et de mère. Albert Yuma. Vous êtes libre de dire c'est notre fait même s'il prend. Mais laissez les autres tranquilles. Laissez le président Félix Tshisekedi tranquille.
vous commencez à faire des discours du genre, Papa Dungorban vient de le dire, il vient de vous demander, quand on a fait ça, ça, c'était Félix. Ça l'énerve, regardez, quand il parle, il sent que je suis devant qui? La Jekamine. Parce que tous les problèmes, c'est la Jekamine. Parce que si le Katanga ne fait pas cette richesse, on n'aurait pas eu tout ça, tous ces chapitres. Même les Belges qui ont commencé tous les affres, pour vous, ils sont bons. Sauf les Kassaïens. Et là, les mêmes chefs, on a recruté des gens, ils sont venus de Ankoro, Manono, et Bankoulou et partout. Ils ont composé presque plus de 60% de GR. Mal payé, mal nourri, mal logé. C'est le président Félix Tshisekedi qui vient d'arranger là où il y avait des GR. Pourquoi ça ne vous a jamais choqué? Pourquoi les mêmes gens vont venir vous monter contre celui même qui pense à vous? Il nomme Papa Kyungwa Kumanza, c'est encore une Katangaise qui sort. Non, je m'oppose. L'autorité morale m'a demandé de m'opposer. Au nom du Konde Kyenge, vous vous opposez. Comme s'il était de là où vous attaquez toujours. Katanga, pour que ça marche, nous tous du Katanga changeons. L'heure à laquelle on se trouve n'est pas l'heure du tribalisme. Ça n'ira pas. Depuis que ça a commencé, ça n'a jamais payé. Si les Kassaïens volaient réellement l'argent de là, si c'est eux qui vous empêchaient de vivre, on les trouverait riches chez eux. Changez. Comme il y a l'union sacrée pour la nation, entrons tous là-bas pour enlever les résidus, pour s'occuper des choses nobles et d'aller de l'avant. Bonne soirée. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.